un vieux, quoi. Je suis un putain de vieux. En mode, ah, la belle époque. OMG. Putain, il a mis 4 minutes pour nous faire un putain de mot en deux incompris. Il doit avoir une grille de mort. T'aurais sa grille, t'aurais mis 4 minutes aussi, hein. Bah d'accord Yona, vas-y, tu c'est vois ça. Quelque chose de c'est mieux pourquoi que médecine, ça en la vrai médecine c'est un fléau, je sais quoi ça veut dire quoi. Mais non, mais parce que justement la peste et qu'est-ce qui guérit un fléau? Bah à l'hôpital. La médecine. Ah ou hôpital aussi oui. Donc non déjà. Je sais pas. Non, la peste c'est pas mal. C'est un peu les fléaux des mers. La peste moi c'est pas mal, mais le deuxième pour fléau. Bah pour moi c'est entre médecine et hôpital hein. Se piquer. Les criquets. Je valide la peste ou pas déjà? Vas-y. Ok. Voilà, ça c'était sûr. Maintenant tu fais le deuxième et si c'est pas ça, c'est ta faute. Après. DFG étant très de droite, il pourrait considérer que faire une révolution est forcément un fléau. Non, franchement, le deuxième, je te jure, je sais pas. Hein, je vais rien guess du tout. Hein. Bah, moi je vais guess à ta place alors. Bah, ok. Mais attends. T'as fait quoi? Ok. T'inquiète, c'est un mot blanc. Ouais, ouais, ok. Bah, on va réfléchir, on va réfléchir. Bah, il fallait prendre un choix, tu voulais pas le faire. Donc il restait un peu de temps, mais oui. C'est vrai, mais de toute façon, ça n'aurait mené mais à rien. Tu penses pas que les criquets, c'est vraiment un fléau? Bah non. J'allais dire, tu peux dire ça dans n'importe quel mot, tu peux dire, est-ce que tu penses pas que DFG pense que les manèges, c'est un fléau? Ouais. Oh, c'est j'ai vrai, la... hein. Moi, j'ai la ref, hein. Je pense qu'il y a un manège qu'il aime pas trop, DFG. Ah ouais, lequel? Un manège dans un parc à thème qui pourrait lui faire perdre des effets personnels. Tu vois, par ah exemple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un fléau, vrai, du coup. Ça, ça se trouve, c'est une ref. Hein. Ouais, tu vois. Plume. Ça, déjà. Bah, ouais. Enfin, L en deux. Et papillon, ça a des ailes. Ouais. Allez. Ah, un speedrun, là, comme ça. Oh, vas-y. Ouais, ouais. Ok. Ça laisse pas le temps à DFG de réfléchir. Allez. Oh, les bâtards. Oh, le boss qui se noie. Ah, merde. Attends, regarde. Attends, mais il avait. Ah. Pourquoi il l'a il pas avait fait avant, du coup si, il avait... Est-ce qu'il avait ah, non, préparé parce qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait le médecin? Il y avait le médecin. Oui, effectivement, oui. Bon, après, c'était un mot blanc, c'était pas très grave. Trois coups d'avant. Pourquoi trois? Les médecins, ils font la parce révolution. Parce qu'il y a trois mots à deviner avec le mot que j'ai mis. Merci, ah. Nick. Non, les médecins, ils font pas spécialement la révolution. Hein. Après, ils font la grève, des fois. Parce que la grève n'est pas une forme de révolution. Je vois toujours pas le rapport avec le fléau. J'ai perdu de fou, meuf. C'est une catastrophe. Au Mexique et en Asie, il y a des docteurs. Ouais, mais... Ouais. Mais les docteurs, ils te feront des piqûres. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas con. Ok. Ils ont pas spécialement de fourche. Hein. Je les ai jamais vus spécialement en train de... Là. Le docteur, c'est un titre un peu... Mais bon, c'est nul, quoi. Mais tu vois, le... Ouais, non, c'est à chier. C'est à chier. Bon, je valide hôpital parce que c'est sûr. Ouais. Et le reste, bah, je... c'est tel... Après, en soi, le docteur, on peut dire qu'il a des instruments. Des instruments de médecine, des instruments de... Tu vois, des instruments... Ça se dit pas de fou? Mais peut-être on peut utiliser ça en abus de langage, quoi. Tu vois c'est ce que vrai je veux dire? Oui. Parce que j'avoue, en fait, c'est pas que ça me chauffe de fou, mais c'est que j'ai pas trop d'autres idées, quoi. Je sais pas, et par rapport à fléau, t'as pas d'autres trucs Bah, c'était peut-être hôpital, en vrai. Hein. C'est peut-être ouais hôpital, parce que quand même, hein, nos hôpitaux souffrent, hein, donc en vrai, peut-être qu'il a pensé à ça, mais bon, c'est quand même bizarre. Si c'est... Est-ce qu'on met pique ou pas? Vas-y, valide. Non, je suis bizarre, vas-y, toi, valide. Non, toi, valide. Ah, clique, vas-y. T'as jamais validé. Moi, je clique encore sur le prochain, vas-y. Non, bah là, c'est à ton tour. J'en ai okay fait trois. Vas-y. Vas-y, à toi de cliquer où tu veux maintenant. Bonne chance. Et moi, je vais cliquer sur bacon. Non, non, mais vas-y, l'instrument, hein. Ouais. Ça te chauffe? Bof, mais j'ai rien de mieux. Je sais pas. Attends, il nous reste 50 secondes. La porte du médecin, j'y crois pas du tout. Après, il y a des trucs qui peuvent soigner à base de menthe, mais c'est un peu de la merde, quoi, je vais pas mentir. Ouais, j'avoue, bizarre, non? Putain, ça rend ouf. Franchement, te titrer, hein. Ou alors, il y a le côté, genre, certaines maladies, t'en es à tel stade de maladie, docteur, t'en es à tel stade. Mais bon. Ah oui! Mais j'aime pas trop. Moi, j'aime bien. Je crois que je suis plus sur les instruments de médecine, mais j'ai trop peur de hint. Ou alors, juste, on skip en mode gros lâche. Non, 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 non. Ah ouais?
Ok. Bah en vrai, c'est mieux. C'est bien. Ouais, 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 ouais. En pleine forme cette semaine, disent ceux qui l'ont rencontré. Oui, le fameux docteur Bacon. Eh ouais, c'était quel le Bacon. Eh, hey, le prochain, merci, je clique sur Aura, Bacon JD. Pour le Prime, merci que beaucoup. Tu le veuilles ou non. Non, non, non. Oh, le mot noir qui va sortir là. En plus, Bacon, c'est vraiment loin. Oula, c'est vraiment loin de tout. Mathématiques. Attends, 4, ça pique. Je sais pas, ouais. Je dis des trucs, je clique. Hein. Oh non, il a pas fait ça. Il a pas fait ça. Moi, j'ai pas compris. Ah, je me désolidarise tout de suite du lien que tu es en train de faire. Bon, en fait, je vois rien d'autre. Pourquoi intérêt? Mais en fait, c'est pas des maths. Face, volume, ligne, c'est pas des maths. C'est de la... Ouais, c'est de la géométrie. Et de la... l'arithmétique, c'est ça, non? Bah non, c'est des arithmétiques, ouais. C'est des maths, justement. Après, peut-être qu'il pense qu'on est trop con pour savoir que c'est de l'arithmétique. Ah, mais il aurait raison, non? Il aurait vraiment tout à fait raison. Mais je vois rien d'autre. Mathématiques, stade, aventure, fenêtre, criquet, manège, Mexique, révolution. Déjà, les deux lignes du bas, c'est sûr que non. La ligne du milieu non plus. Fourche, plongeur, menthe, bacon, titre, porte. Ouais, il reste rien d'autre. Hein. Je pense que face, volume et ligne, on peut valider, non? Ouais, face, volume, ligne, ouais, ça me semble safe, en vrai. J'ai intérêt, éventuellement. Ok. Et ben merci. Pas du tout. Et ben, c'est le fléau de la face, bien évidemment. Le fléau de la face. Il fallait en trouver un ouais. Plus, fléau de la face. Qu'est-ce qu'il a mis? Qu'est-ce... Comment ça, le docteur face, là. Exactement. Ben oui, tu le connais pas. Ah, ben, je suis passée à côté de celui-là. Quel dommage. Oh, purée. Elle est infâme, cette grille, ou... Ouais. Elle a l'air terrible. Tout à l'heure, t'avais 12 mots qui correspondaient à O, mais là, maintenant, c'est... C'est clair. Là, ils vont nous sortir... Bleu. Non, mais là, Tarentin, il va nous sortir une dinguerie. Plus asthme. Mais oui, t'inquiète, Tarentin, il gère. En plus, il a la meilleure équipe, là. Ouais, ouais, t'inquiète. De fou, là. Alors, je ne veux pas émettre de doute, hein, mais... Comment ça? Par rapport à quoi tu dirais ça? Je dis juste qu'on a une très très bonne équipe de notre côté, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, 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 ouais. C'est pas faux. Je réfléchis, je continue à réfléchir au truc qu'on avait avant, Yuna, quand même, au cas où. À moins qu'il voulait nous faire deviner face dans l'un des deux, mais... Non, mais aucun... Désolé, mais le fléau face et le docteur face, bon... Le docteur, il examine ta face. Ouais, non, mais rien d'accord, mais dans ce... What? Attends. Ah bah ça, c'est stade, déjà. Oui. Et peut-être ligne, parce qu'il est délimité par une ligne. Aussi. Ah, tu penses vraiment que... Ok. Ah ouais, le gardien, il a... Bon, on valide stade, déjà? Ouais, c'est sûr, vas-y. Ok. Oui, parce alors... que là, je vois pas d'autres trucs évidents pour gardien. Mais est-ce qu'il aurait mis... Il aurait pas mis autre chose que gardien si c'était pour faire deviner stade et ligne? Genre un truc plus lié au foot. Pourquoi spécifiquement le gardien? Il y a pas... Enfin, le gardien... En plus, parce c'est que même... justement, si le gardien, il y a la ligne qui sépare... Il a comment le droit de dépasser peux... sa ligne, le gardien, la première... Oui, il a le, ligne des cages. Il a le droit, mais... Ouais. Les cages, le gardien, ouais. Tu sais que c'est délimité par une ligne, ouais. Normalement. Attends, regardons juste s'il y a pas autre chose vite fait, et puis sinon, on partira là-dessus, mais... Le gardien du bacon, sinon. Le gardien du bacon. Bon, après, dans le manège, c'est pas vraiment des gardiens, mais... Moi, je dis le gardien, il garde la porte, tu vois. Oui, aussi, c'est vrai. Tu préfères quoi entre les deux? C'est aucun des deux, c'est sûr. Attends, je regarde encore. Mante, fourche. Moi, je t'avoue que... Je suis plus ligne que porte, ah, moi, mais plus... après... Bah, attends, moi j'ai validé ce stade, donc après ce sera à toi de voir, mais... Moi j'ai confiance, parce qu'on joue au foot, donc t'inquiète. Ok, bien vu, ouais. Vous aviez oublié qu'on voulait cliquer dessus, juste avant? Mais oui, putain, c'est vrai, mais ils avaient maths, ils avaient maths, il y avait ligne. Ah oui, j'avais oublié qu'en fait, moi je jouais pas au foot, pardon. C'est vrai. Oh, c'est trop grave. Non, pourquoi je me... Pardon. Ok, va falloir que je m'impose un peu, je crois. La game est incroyable. C'est pas grave, JD. Tranquille, ils nous ont donné face, du coup on en prend un, voilà, c'est de bonne guerre. Mais oui, c'est... C'était cadeau, c'est très noble on le de savait, votre hein. part. Merci. On le savait, oui, oui. Bah, bien évidemment.
C'était évident qu'il avait pensé à gardien pour le gardien dans la ligne verte, donc à votre place, j'aurais fait pareil. Oui. Mais le gardien d'une porte, quand même. Moi, j'ai une théorie pour ce stade. Genre, je me demande si c'était pas Docteur, pour vous faire deviner le stade. Ah ouais. Ah ouais. Parce que genre Docteur Feelgood, il va jouer au foot dans le stade. Ouais. Oh là là. Ah. Oh là 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 là. Mais c'est peut-être bon. Ouais, c'est vrai que... ouais. Ouais. C'est loin, tu vois. Tourniquet. Okay. Après, j'ai un manège. J'ai une théorie complètement ouf, sinon. Ok. Je te la dirai après qu'ils aient joué. Vas-y, ça marche. Bon, du coup, par contre, c'était pas face. J'ai peur de cliquer sur volume, du coup. Mais c'était vraiment ligne. Il avait mis mathématiques 4 quand même, donc ça veut dire qu'on en a que 1 pour l'instant. C'est ligne et les 3 autres, c'est quoi? Moi, je maintiens volume et intérêt, je pense. Hein. Il y avait un quatrième qu'on n'avait pas, et peut-être que ta théorie sur Asie était. Ouais, j'ai pas envie d'y croire. Mais pour je crois tourniquet. Qu'on va devoir finir par cliquer dessus. Hein. Bah, manège, c'est sûr. Manège, c'est sûr. Est-ce que le tourniquet, c'est pas une forme d'aventure? Le tourniquet, moi, le premier truc auquel j'ai pensé, c'est le truc qui fait. Pff, 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 qui crache de l'eau, crache jardin, de l'eau là. J'ai même pas pensé à manège de base. Mais il n'y a rien en rapport avec l'eau. Il y a plongeur, mais bon, c'est très. Oui, mais. C'est très perché, quoi. Ouais. Je tente manège ? Manège, ouais, vas-y. Manège, c'est sûr, je pense. Et okay. Puis, ouais, volume et intérêt pour mathématiques. Ben, en fait, tu sais, je pense aux intérêts quand tu places tes sous, quoi. Et du coup, ouais, c'est ça maths, multiplie c'est tes des chiffres, c'est on va une dire. Forme de mathématiques. Ouais, c'est des chiffres. Mais bon, c'est un peu... Il avait dit mathématiques parce que pour les chiffres et pour la géométrie, mais calculer le volume, c'est aussi des chiffres, après tout. Mm. Ah, moi, je suis plus sur volume que intérêt, mais... Ah oui, moi, je pense volume plus que ça. Ok, bon, on clique alors. Ok. Puis, je vois vraiment... En fait, là, ils en manquent 2 pour mathématiques, donc s'il n'y a pas intérêt, c'est bizarre. Je pense qu'on clique sur intérêt aussi. Hein. Vas-y. Ok. Oh là là. Ok, OMG. Et est-ce qu'il a fait ça pour mathématiques? Vas-y, tente-le. J'ai peur. C'est trop tard. Allez. Trop tard. Ok, ça va, c'était bon. La triche. Tout va bien. Moi, je vais pas donner ma. Pourquoi? T'as joué après le timer. Donc, si vous gagnez, c'est annulé. Bah attends, mais si j'ai joué après le timer, comment c'est possible? Bah parce que c'est juste un timer indicatif, il y a pas de ça coupe pas réellement le truc. C'est juste pour nous. Ah, je pensais que ça skippait. Donc vous avez triché, là c'est sûr maintenant, y a plus de doute. Et donc non mais c'est perdu pour mais vous. Mais ça marche dans les deux sens du coup. Si ouais mais triche, nous on dépasse jamais les timers. Oui voilà. Mais du coup la game elle est invalide. Donc nous on a gagné quoi qu'il arrive, c'est ça quoi qu'il faut retenir surtout. Qu'on est trop fort et qu'on a gagné. En gros, c'est bacon, plongeur, Mexique et fenêtre. Et tu mets oui si c'est ça, et on voilà, on le met. Bacon, plongeur, Mexique, fenêtre, DFG. Oublie pas. Hein. Oh purée. Ah, j'ai une théorie de fou, mais en vrai, je pense que c'est un peu cheat de le dire pendant qu'il fait son truc. Donc. T'avais peut-être raison pour la porte, hein. C'est un peu à chier, mais bon, le gardien... Mais en fait, c'est parce que c'est pas vraiment le mot gardien, tu vas plus utiliser des mots genre videur et tout, mais tu vois, je pense un peu les boîtes de nuit, ce genre de truc, tu peux dire c'est le gardien qui est devant, tu vois, aussi un peu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Même si on dit un videur, on dit... Mais bon, un mec de la sécurité, je sais pas, mais... Bon, vas-y, parce que là, il joue pas, du coup, je vais te dire ma théorie quand même. Tu vois, dans je sais pas quel Disney, Jiminy Cricket... Je sais même pas comment il s'appelle exactement. Et bah, est-ce que c'est pas un peu un ange gardien? Mais ça serait chaud, tu vois, quand même. Mais je me demande s'il n'y a pas un bail un peu comme ça. Matador, je sais pas ce que ça veut dire, FF. Bon, bah ça sonne mexicain, déjà. Vas-y, j'avoue. Mec, on n'a pas le choix, là. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, Matador. Bon, déjà, je valide. Et après, bonne chance. Est-ce que tu veux... Est-ce que tu sais ce que ça veut dire ou... Non. Moi non plus. Oh. Allez. Francis Cabrel. Si, mais... je connais pas la définition. Et bah, c'est un titre d'une chanson, alors. Ah non. Ah, imagine. Ah, vas-y, j'ai envie. Enfin, oui, c'est le titre d'une chanson, vas-y. Non, tu vois, il double bait, il double bait parce que c'est ça. On met porte ou pas? Bah, c'est toi qui valide, hein. Non, c'est à toi de valider, attends. Non, moi j'ai validé le Mexique, hein. Mais c'est trop facile. Allez, à toi de valider maintenant. Voilà. Ok, alors attends, on réfléchit. Vas-y, démerde-toi avec Matador.
On a quoi? Gardien, c'était porte, du coup... De toute façon, c'est un rapport avec la révolution. Avec une révolution, on ne sait pas. Ou ouais. Alors avec les aventures. Les aventures, peut-être. Les aventures, les matadors. De Matador. J'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois pas, c'est un man. Hein, mais peut-être, ça se trouve, c'est un man, hein, mais je crois pas. Je sais pas. Faut cliquer, Yuna. Je sais pas, je ne faut prends cliquer, pas faut de... cliquer, faut cliquer, non, attends, non, j'ai cliqué. Quoi? Vas-y, clique. Je t'en supplie, vite. Ah bah le bacon. J'ai cliqué sur bacon. Pas bacon. Il a panique bacon. Panique bacon. Non, c'était pas le bacon. Je pouvais cliquer que là-dessus. Mais non, mais des mots qu'on connaît pas aussi, là. Mais ouais, non, mais il croit trop, on a de la culture et tout, alors que... On est des teubés. Les teams de golems, ouais, mais voilà. Oui. On est des guignols. Non, mais c'est grave. Oh là là. Matador. Il va nous insulter quand la game est terminée. Oh, j'ai hâte d'avoir le... Le jeu déjà commencé, hein. Ah, mais c'est les... Ok, d'accord, c'est ça, c'est les connards qui... C'est des toreros. Mais non, ils sont bizarres. Si. Alors pourquoi il a pas mis torero, ce connard? C'est la même chose. C'est genre. Ah, mais quand même, torero, il y a quasiment taureau dedans, tu vois. Tandis que matador. Ah, frère. C'est très grave. Oh mon dieu. Bon, laisse-nous une chance, Nemo, s'il te plaît. Tu vois bien qu'on est con, on trouvera pas, de toute façon. Donc. Purée. Oh là là, mais ce coup du gardien là, en plus le chat me dit ouais, gardien, il y en a un évident. Quoi? Ah, parce qu'on a toujours pas trouvé gardien là? En vrai, bah non. Attends. Ah si, peut-être si la porte. A, si on a porte, un ouais. Évident, je l'ai pas non plus. Hein. Non, ça se trouve, c'était la porte, ouais. Pour commencer, le gardien de la porte, genre. Il y a un mec qui garde les portes. Ouais, voilà. Ça se trouve... Ouais, je sais pas. Ou alors ta théorie Disney est bonne, hein? Ouais. Ça me paraît un peu. Un gars, je peux. Ah, du coup, je l'ai. Aventure, t'avais raison pour aventure, du coup, peut-être. Hein galion Le galion, ah bah, galion, le... ouais, une aventure. C'est le bateau. Ouais, quoi. T'as des trésors. Ça, comme par hasard, galion, ce que... un gros je savais ce que c'était, quoi. Comme par hasard. Ouais, bizarre, ça me rapproche aussi. Et du coup, si c'est aventure et plongeur, ça veut dire que l'un de ces deux mots-là était pour mathématiques. C'est une aventure, les maths. Peut-être pour tourniquet. Non, mais attends, mathématiques, on va toujours pas trouver les 4. Hein. Mathématiques, du coup, c'était ligne, intérêt, volume. Et c'est tout. Le quatrième. Ligne, intérêt, volume, et je sais pas. Je sais pas le quatrième. Mais les maths, c'est pas une aventure. Ouais, clairement pas, non. Est-ce que en les cas... galions, c'était les bateaux qu'on prenait pour la révolution? Pas trop, hein. Aucune idée. Ça se passe. Ce que j'appelle un galion, c'est un gros bateau. Quoi. Bateau bah, c'est ça, ah oui, c'est un gros bateau. Oui. Ah, bah, merde. Bah, oh, c'est notre moment, JD, c'est notre moment. C'est notre moment. Personne là. Ne veut gagner cette game. Ah, Tarantin, on va te faire gagner là. T'inquiète. T'inquiète. Là. Toutes tes insultes. Oh putain, c'était ça. Ouais, mais du coup, attends, le deuxième, on sait pas ce que c'est. Pourquoi il a mis ça, ce bâtard? Parce que c'est simple. C'est quoi ce mot qui n'existe pas là? Si, il a le droit, c'est un prénom. Redis toutes les refs de... Lui, il est à Disney. Ouais. Et c'est un ange gardien. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un autre truc, là, qui te fait penser à lui? Mais non, je te dis, je sais même plus dans quel Disney c'est. Attends, Jiminy Cricket. Réfléchis bien. Putain, je dirais que c'est soit dans Peter Pan, soit dans Pinocchio, mais je sais même pas. Ça se trouve, c'est aucun des deux. Hein. Quand tu l'as dit, j'avais toujours pas compris le Jiminy. Je crois que c'est dans... Ah oh, non, j'arrive vraiment plus à me ça. Je dirais que c'est dans Pinocchio, quand même. Ah, putain. Ouais, je dirais que c'est dans Pinocchio, parce que dans Peter Pan, du coup, c'est la fée Clochette, le mate. Bref. Mais c'est qui exactement? C'est un acteur? Non, c'est un personnage de fiction. C'est un petit. Ah. Je sais même pas ce que c'est une petite merde, on dirait. Je me souviens vraiment plus, je l'ai vu quand j'étais petit, mais c'est genre un truc humanoïde tout petit. Est-ce que c'est pas hasard. Un cricket par un exemple? Cricket, voilà. Peut-être. Un cricket, ah. Un cricket, mais un peu humanoïde quoi, je dirais. Mais putain, ça me dit pas ce que c'est le deuxième, attends. Ouais, mais moi je sais pas c'est quel Disney. Est-ce qu'il fait la révolution le criquet? Bah ouais, peut-être, hein, je sais pas. Pourquoi il nous aurait mis ça? Titre, titre. Attends, il y a quoi qu'on a pas trouvé? La fléau, on a trouvé. Docteur, gardien. D'où on a trouvé? On a rien trouvé, on a rien trouvé. Il nous en manque un à non, chaque mais fois. Ça se trouve, gardien, c'était pour criquet et pas pour porte. Titre, hein. Et matador. Oui, non, il du coup, en oui. reste.
Il nous en reste un de matador alors. Ouais. Non mais y a pas eu de révolution des matadors. Non mais apparemment c'est les toreros quoi, les mecs qui font combattre des taureaux. Ah ouais. Apparemment. Non, mais ils ont dit ça en mode. Ou alors ils ont dit ça en mode full troll, ils se foutent de notre gueule, c'est possible aussi. Bah peut-être fourche aussi non. Jiminy, ouais. Je sais pas pourquoi non en fait, je sais pas. Non mais genre tu sais il. Mais putain pourquoi il nous a mis ça. J'en sais rien. Fenêtre c'est mort. Au pire on fait à l'envers. Fenêtre c'est pas ça. Ouais. Mais d'accord. Mmh. Plongeur et menthe. Sauf si Jiminy Cricket il vient à la fenêtre, mais je me souviens plus. Je te jure, je sais plus. Oh non. Du coup, ça serait entre titre, révolution et fourche parce qu'on sait pas où le caler. En pour fait. Moi, le moins probable c'est menthe actuellement. Oui, c'est sûr. En coup, vrai, plongeur, je l'enlèverais. Plongeur, je l'enlèverais aussi. Ouais. Et fourche, je l'enlèverais aussi. Pour moi, c'est entre révolution, titre et fenêtre en fait. Bon. Un gardien de foot, ça peut gagner des titres aussi. Ok, je valide titre, t'es prêt? Vas-y. T'es sûr de toi? Non, pas du tout. Évidemment que non. Il reste 8 secondes. Titre ou révolution, combien de pourcentage entre les deux? Titre 51, révolution 49. Ok. Bravo. Vous êtes les plus grands de la Terre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a DG, on a gagné. Sandy, elle a tout dit et elle s'est pas crue. Mais j'ai jamais confiance en moi, frérot. Vous êtes trop bêtes. Pourquoi on est trop bêtes? Mais oui, on est bêtes, on a gagné. Vous connaissez rien, frère. Et alors, on a gagné. Let's go. En fait, genre, le mot révolution, je n'arrive pas à faire comprendre que ça pouvait être une rotation. Non, mais tu nous as pris pour des ingénieurs ou... Et en même temps, révolution avait... Enfin, en fait, le mot n'allait avec aucun démo, c'est pour ça que j'ai essayé de le caler autrement, mais... Je t'ai littéralement écrit il y a 3 minutes que je suis un enfant de maternelle. Oui, oui, oui. 3 minutes que je suis un enfant de maternelle. Pour ça, je suis resté sur l'aéronautique. Révolution. Une révolution, c'est une rotation, les gars. Oui, ouais, mais j'arrivais pas à trouver comment le caser avec les autres. Ah, le gardien de la porte, let's go. C'était trop d'émotion. C'était vraiment gardien de la porte. Non, c'était pas ça du tout. Oui. Si, c'était ça. Que si. Ah ouais, non, c'est toi le plus teubé. Oui, parce qu'au début, j'étais en mode, je leur mets un truc de foot, j'avais une rêve de foot de fou, et j'étais en mode, c'est win, mais ils vont jamais l'avoir. Bah oui. Et du coup, je mets gardien en me disant, bon, plus tard, tu vois, j'ai enlevé le sport de ma tête, j'étais genre, c'est impossible, parce qu'il y avait genre cricket, parce que Fléau, c'était pour stade. Parfait. En Fléau, c'était pour cricket, les crickets d'Egypte. Ah ouais, genre c'était vraiment un fléau, genre. Ah ouais. Ah ouais, non mais on a pas la ref, attends, non mais putain. Ah ouais, j'ai bien vu ça. Quand Nemo m'a DM MDR, ils l'auront jamais, j'ai bien vu que vous l'aviez pas, ouais. Oui, bah évidemment, mais évidemment. Mais on a pas que moins 8, qu'est-ce que tu viens de casser les couilles avec tes trucs, mais là bon, c'est inquiétant. C'est la team de Golemon, mais c'est pas grave. En plus, c'est pareil, genre, quand je mets mathématiques, je me fais la réflexion, je fais non, si je mets géométrie, ils vont tout confondre. Ouais, genre.